Pourquoi tu ferais ça? Pour t'aider. Hey, hey! Viens ici. Écoute, tu t'inscris pas toi aussi? Il y a un vrai vélo de montagne à gagner. Je sais pas, là. J'ai pas envie d'avoir l'air ridicule. C'est quoi, t'as peur? Non. J'ai jamais fait ça, ce vélo de montagne. J'ai pas de chance de gagner quoi que ce soit. Mais non! C'est pas de même, ça marche. Ils donnent des médailles à ceux qui ont été les meilleurs, puis ils font tirer un vélo de montagne parmi tous ceux qui ont participé. Ah oui? Oui, regarde. Le but de Canal Sport, là, c'est que t'essayes le vélo pour que t'aies envie d'en acheter. Ça fait qu'il pourrait être le meilleur modèle pour le concours. Et ça vaut la peine juste pour l'essayer. Oui, dis oui. Avez-vous vu tout ce qu'il y a à faire? Il y a même une dégustation de pissenlit. Non, ouais, t'as pas à voir. J'ai goûté il y a 2 ans, là, puis ça m'a pris une semaine avant de m'en remettre. Contente-toi de faire les activités où il n'y a pas de pissenlit. OK? Comme moi, puis Mick, là, on s'en va s'inscrire pour le concours de vélo de montagne. Ben non, j'ai pas. Ah, super! Ça veut dire qu'on peut marcher ensemble jusque là-bas? Oui. Bien cool. Hey, Sam, faut que tu viennes avec moi à la maison. On a des caramels à faire pour le stand de Suzanne. Comment ça? Mais la ville a offert un stand à Suzanne. Puis il faut préparer des échantillons de bouffe, mais Suzanne n'a pas le temps de les faire. Ça fait que j'ai dit que je les cuisinerai à sa place. Viens vite, hein? Non. Mais comment ça, non? Mais faut que j'aille faire la file pendant 2 heures, mais à cause de qui? De toi. C'était pas le bébé. Suzanne était super débordée ce matin, puis je pouvais pas la laisser s'occuper de tout toute seule. C'est tes affaires, si tu as promis que tu l'aidais, moi je suis occupé. Tu penses vraiment rien qu'à ton petit plaisir, toi? C'est bon, ça. C'est toi qui fais des promesses à Suzanne, mais c'est Sam qui se ramasse à faire le travail. Ouais. Je te dis que t'es bien placé pour faire la morale. Mais c'est pas comme si j'avais le choix. Monsieur Kennel vient de me demander de faire une démonstration de vélo sur le parcours. Ah, tu dois vraiment avoir le cœur brisé, hein. Obligé de refiler tes responsabilités à ton petit frère, parce qu'il faut absolument que t'affaires du vélo. Ben, parlant de responsabilité, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il y a Camille qui t'attend pour t'aider avec tes devoirs. Comment ça? Ce matin, quand elle m'a dit à ce soir, j'étais sûre qu'elle parlait de se voir ici. Ben, ça a pas l'air. Camille t'attend à la maison. Ben, je vais aller régler ça, d'abord. Mais j'ai besoin d'une réponse, là. OK. T'as quelle heure ta démonstration? Ben, c'est juste demain. Mais j'ai besoin de temps pour être sûr que mon vélo est en ordre puis pour m'entraîner un peu. Je pensais que t'avais un conflit d'horaire, moi. Ce serait correct si tu pouvais t'occuper des caramels demain. Ils font faire à chaque jour. Non. Je vais inscrire ton nom sur la liste. Comme ça, t'auras pas besoin de faire la file. Non. Je vais donner un cours accéléré de vélo, OK? Comme ça, t'auras pas l'air complètement débile quand... Non. Sam, si tu veux me traîner là-bas, là, j'aimerais vraiment mieux que David me montre 2-3 affaires avant. Je peux vous donner le cours à tous les deux? OK. Mais c'est mieux d'être des maudits bons conseils. Les meilleurs. T'étais où? Ça fait une demi-heure que je t'attends. J'étais sûre qu'on a mis le sac aux affaires des pissenlits. On en a juste pour 1 heure, le terrain à la fête après. À 4 heures, il y a un atelier de peinture libre. Ils fournissent la peinture puis les pinceaux, puis on peut aller faire notre propre tableau sur le trottoir. Ah, c'est bien cool. J'aimerais ça y aller avant que mon père arrive. Comme ça, quand je vais retourner là-bas avec lui, il va pouvoir voir ce que j'ai fait. Oui. Quand j'ai commencé à t'aider avec tes devoirs, on a promis à Suzanne que ça donnerait des résultats. La fin de l'année approche, c'est pas le temps de lâcher, Rose. OK. Tout est dans le tour. David a tout ce qu'il faut pour faire les caramels. J'ai tout sorti, là, sur l'îlot. David sait faire des caramels. Tu savais pas? David a promis à Suzanne qu'il cuisinerait lui-même des échantillons pour la dégustation de miel. Puis t'as accepté. J'espère que vous avez des bonnes assurances pour le feu. Ben, je pouvais pas refuser. C'est tellement généreux de sa part. Mais entre toi puis moi, c'est vrai qu'il n'y a pas trop l'habitude de cuisiner. Ça te dérangerait pas trop de garder un œil sur lui? Le caramel, quand ça boue, ça devient très chaud. Oui, qu'il y a seulement 6 ans et demi, ben... Ben, tu me trouves mère poule, hein? Tu peux? Ça va me faire plaisir de l'aider. Mm. Je pense qu'on peut remettre les devoirs à plus tard, de toute façon. Oh non, 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 non. Les devoirs passent avant la cuisine. Non, non, il n'y a pas question de pénaliser Rose pour aider David, là. Ben non, ça me dérange pas du tout d'être pénalisée. Je voulais justement aller mettre sur le trottoir. Non, mais c'est correct, ça, Rose, mais tu fais tes devoirs puis tes tâches avant. C'est tout ce que je te demande. Il faut vraiment que j'y aille. OK, bye! Bonne chance, Suzanne. Puis je laisserai pas David s'ébouillanter avec le caramel, c'est promis. Bon, on commence? Eh oui. Merde! Ça fait des
dégueulasse, cette maudite cochonnerie-là. Ça va? T'as-tu besoin d'aide? Caramel a un peu brûlé. Je suis sûr que ça va être correct. C'est toujours bon, le caramel. Pas celui-là, il est super foncé, ça va être super amer. Ça a un drôle d'air, hein? C'est dur comme du béton. David, tu peux pas servir ça aux clients. Suzanne, ils vont sauver en courant. Mais je vais recommencer d'abord, c'est tout. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Bon, là, ça va faire, David. Arrête de te plaindre, puis redonne-moi Camille. Mais j'ai rien demandé, moi. C'est Camille qui arrête pas de venir me déranger. Est-ce que t'as encore un nez? Ça sent le brûler dans toute la maison. T'as pas besoin de rien demander. Tes caramels, tu les allèves tout seul. T'exagères. Ça sent pas si pire que ça. Puis j'ai presque fini. Tu viens dire que t'allais tout recommencer. Bon, laissez-moi tranquille. Je vais finir par y arriver. Oui, dans 100 ans, peut-être. Camille, pourquoi tu l'aides pas? On n'en parlera plus après. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je m'excuse, on va faire ça vite. Eh oui, c'est ça. Encore une fois, il a trouvé quelqu'un pour faire le travail à sa place. Il fait pas mal. Puis, si on veut devenir bon, faudrait peut-être s'entraîner avec un bon vélo de montagne. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, mais hein? Tente-tu de l'essayer en premier? Ben, oui, si t'insistes. Tourne un démon de main. Si je dis pas, ça va être dangereux.
C'est vrai que ça serait plate qu'il se casse une jambe à cause de nous. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire d'abord? T'aider à le laver? Ouais, je vais aller régler ça chez nous tout seul. Je vais t'appeler à soi pour te donner des nouvelles. Si je suis encore en vie. Au cas où elle aurait besoin de parler, tu sais.
Je m'excuse de t'avoir traité d'immature égocentrique ce matin. Après t'avoir vu aller aujourd'hui, j'avoue que j'avais tort. Peut-être que... c'est juste que t'as mauvais caractère, dans le fond. Oui, allô? Un instant. Rose! Téléphone pour toi! C'est ton père! Je peux y parler! Je peux jamais lui parler! Elle veut pas vous parler. Oui. Mais vous auriez pu appeler. Elle vous attend toute l'après-midi. Oui, David. Claude, c'est Suzanne. Oui, écoutez, peut-être ce serait mieux de rappeler demain, tant qu'elle revienne un peu de sa déception. Oui, elle est très, très déçue. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Oui. À demain. J'espère qu'il y a une bonne raison, moi. Il était pris dans une réunion qui s'est éternisée. Ridicule comme excuse. C'est dégueulasse. Oh, ouais, les gars, hein, on se calme un peu. Au moins, il a fini par appeler. Puis il avait vraiment l'air désolé. Je peux entrer? Déçu de pas pouvoir te parler quand tu as appelé tantôt. Et tant pis pour lui. Puis il y a qu'à s'habituer parce que j'y parlerai plus jamais. Tu trouves pas que c'est un peu dur comme sentence? Non. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as trouvé si terrible? Qu'il vienne pas? Qu'il ait pas appelé pour te prévenir? Toute l'affaire. J'ai couru comme une malade pour qu'on aille à la fête des pissenlits. Je pensais que ça l'intéresserait de me voir peindre. Mais non. Ça a bien l'air qu'il s'en fout complètement. Puis moi, ben comme une dinde, j'ai attendu pendant une heure et demie. Je suis niaiseuse de même, moi. J'aurais dû savoir qu'on peut suivre à personne dans vie. Tu sautes un peu vite aux conclusions, Rose. Ton père avait quand même une excuse. Ben, c'est sûr qu'il aurait dû appeler. Ça, c'est une erreur. Mais des erreurs, tout le monde en fait. Puis tu te trompes sur la fiabilité des gens. Par exemple, moi, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Je peux pas te garantir que je ferai jamais d'erreur. Je peux te promettre que je serai toujours là pour toi. Puis t'es pas toute seule dans ton histoire. Tout le monde dans la maison est derrière toi. Même David, qui a laissé tomber son rendez-vous avec Camille. Juste au cas où t'aurais envie de parler. Il a fait ça? Oui, il fait ça. C'est donc bien niaiseux, son affaire. J'ai dit à ton père de rappeler demain. Est-ce que tu penses que tu vas accepter de lui donner une autre chance? Peut-être. Peut-être que oui. L'an dernier, c'est notre équipe qui a gagné le championnat tactique. Est-ce qu'on remet ça ce À Tactique demain. Il y a un rôle pour une jeune fille dans Parole d'honneur. Un petit rôle. Puis comme vous travaillez vraiment fort puis que vous aimez ça jouer, je pense à vous. Parole d'honneur? En bas, tu n'as pas trouvé ta main. Tactique, en semaine 18h30 ou midi.